L'industrie de l'aéronautique génère plus de 2 % des gaz à effet de serre produits par l'activité humaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'air pollué causerait plus de morts que le tabac. On peut arrêter de fumer, là, mais arrêter de respirer, c'est un petit peu difficile. Tout système énergétique n'est pas neutre vis-à-vis de l'environnement. On peut identifier en fait deux impacts de la propulsion aéronautique. C'est typiquement les gaz à effet de serre, réchauffement climatique. Et puis il y a aussi, bon, ces dernières années, la dégradation de la qualité d'air par les émissions. Donc la grosse difficulté qu'on a en ce moment avec les moteurs, c'est la formation des particules. Et puis que si on l'inhale, ça va directement dans les poumons. Et ça peut donc causer soit des cancers, des problèmes respiratoires, etc. Une particule fine, c'est donc une particule qui est très petite, hein, qui est donc de 50, 70 nanomètres. Juste pour avoir une idée de grandeur, le diamètre d'un cheveu fait environ 80 000 nanomètres. On n'est donc pas étonné qu'une particule fine réussisse à s'infiltrer jusque dans les poumons. Donc notre objectif, c'est de mieux les comprendre, de mieux pouvoir les maîtriser dans un second temps. Si un avion pollue plus qu'une voiture, et qu'on a conçu des voitures électriques, mais pourquoi on ne fait pas la même chose avec les avions? On a finalement 12 fois plus d'énergie qui est développée par le kérosène que par l'énergie développée par une batterie. Donc on a un facteur 12. Un transatlantique, ça a à peu près 50 tonnes de carburant. Si vous mettez des batteries à la place du carburant, il va falloir 600 tonnes, hein, 50 fois 12. Donc vous voyez bien que ça ne peut pas le faire. L'aéronautique a été bâtie sur le carburant fossile. Il va falloir changer complètement de paradigme. Donc là, je crois que l'ingénieur va être obligé d'être créatif, de voir ce qu'on peut faire. Peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera, peut-être les nouvelles technologies. Je ne sais pas faire parce que c'est peut-être des horizons un peu trop loin pour moi. Dans les années 90, François Garnier et une gang de chercheurs ont fait des tests avec le Concorde. Leur recherche portait sur les effets de cet avion supersonique sur la couche d'ozone. Aujourd'hui, François travaille à augmenter la performance des moteurs d'avion, mais aussi à les rendre moins polluants. C'est donc dire qu'en travaillant dans l'industrie de l'aéronautique, on peut avoir un impact sur l'environnement. Ça va? On y va? On peut décoller? On tourne à Hawaï. On tourne à Hawaï, maintenant c'est fini.